Salut à tous, et on se retrouve pour faire des invocations sur le Tenkaichi Budokai avec les tickets. Donc le Tenkaichi est toujours en cours, hein, il n'est pas fini, il reste plus de 24 heures. Mais là j'ai atteint, on va dire, j'ai récupéré en récompense les tickets abordables, on va dire, sans gros farm. Et il m'en restera quelques-uns à récupérer, mais pas très important, surtout des tickets de l'arc enfant. Donc après il faudra attendre les résultats du classement pour avoir les tickets CCR surtout. Donc là j'ai de quoi faire récupérer 2 SSR et j'ai pas mal de tickets de l'arc-enfant, enfin pas mal, vite fait hein, mais quand même. Donc on va commencer par les tickets de l'arc-enfant, écoutez, et donc on est en live, hein. Vous pouvez dire coucou hein, ceux qui sont en live. Bref, c'est parti, on va commencer par les tickets argent. Alors moi je veux surtout de la Bulma, hein. Je suis pas très intéressé par les SSR, bien que j'ai vu qu'il y a un color qui a l'air bien badass au niveau de l'illustration. Après, je sais pas s'il est bien ou pas, mais au niveau de l'illustration, elle est assez sympa, de coloragi. Alors, on commence avec du pâté vampire. Ça le fait pas. Allez. Allez, allez. Ah, le Hercule, là. Le Hercule qui fait pas plaisir. Au début, quand il y avait Hercule, ça me donnait des bons trucs. Et depuis, je sais pas combien de temps, ça donne que de la merde. Hein ? Voilà. Exemple. Attention, Thalès, je l'ai déjà. Hein. Voilà. Boum. Petite Bulma pour monter l'aspect des Bulma. Et non. Ah, ah, le Mutaito là. Le maître de tortue génial et du maître des grues. Ça m'intéresse pas. C'est le seul SR en fait qui est un peu pourri dans le Tenkaichi Budokai. Parce que des débloqueurs de spé de type tech, eh ben, y en a plein. Alors. Ah, Dayu, il est pas sympa. Il veut pas dire coucou à YouTube. Bon, bah, les tickets argent, c'est fait. Hein, pas grand chose. Attention, les tickets d'or, est-ce que ça va être mieux? Et moi, je l'appelle gras de couille, hein, plutôt que Monsieur Slip. Attention. Ah là là. Colonel Black. Si ça c'est pas un peu raciste. Je vais l'appeler Colonel Black et te faire une grosse bouche bien caricaturale. Mais bon, en même temps, c'est le seul mec sérieux dans l'armée du ruban rouge. Donc techniquement c'est le plus badass. Et yes, une petite Bulma. Donc déjà une. C'est mon seul objectif, c'est les Bulma. C'est même pas les CCR ni rien hein, sur l'arc enfant. Allez, allez. Ah, y a pas mal de capsules, ça va être un SR ça. Ouais, déjà un SR, c'est cool. Allez, allez. Ah, Diableman. Je sais pas si je l'ai... Je crois pas que je l'ai encore spé 10. Diableman. Le mec qui peut one-shot tous les boss. Hein, à conserver obligatoirement. Bon, j'ai jamais réussi à proc avec Diableman. Mais apparemment, ça peut tuer tout le monde. Et attention. Ouh. Un petit SR. Allez. Donne-moi de la Bulma. J'aimerais bien en avoir au moins deux, quoi. Alors. Ah, c'est le Yamcha. Ce Yamcha, faut le garder pour l'event Petit Lapin, en fait. Voilà. Qu'on mettra avec le Goku d'anniversaire, si je dis pas de bêtises. Le Goku petit d'anniversaire. Pas du premier anniversaire, en tout cas. Après, il a eu une évolution. Bref. Donc Yamcha est gardé pour les liens, en fait, pour tuer plus rapidement Monsieur Lapin. Alors. Pas de transformation, est-ce que ça se brise? Non, on n'y croit pas, hein. On n'y croit pas du tout. Et de la petite momie, ça faisait longtemps. Ce serait bien qu'ils renouvellent un peu les unités sur le Tenkaichi Budokai de l'arc-enfant, qu'ils en rajoutent un peu. Parce que là, à part rajouter quelques SSR,
faudrait qu'il rajoute des petits trash mobs de merde, quoi. Qui puissent éventuellement monter l'aspect et rajouter plus de SR. Bon, encore du Yamcha. Donc ça, c'est cool. Et dernier ticket de l'arc-enfant. Avant les deux SSR. Attention! Qu'est-ce que ça va être le dernier ticket? C'est une transformation, c'est déjà ça. Attention. Et... Ah, la lunch. Ah, c'est dommage. Je l'espédise, donc elle ne me sert plus à rien. En espérant qu'elle ait un jour un Dokkan, hein, ça serait cool. Bref, on va passer maintenant... Bing! Aux deux SSR garantis. Alors, dans les SSR garantis, qu'est-ce que je veux? Tac, tac. Le Goku qui fait du Kamehameha avec ses pieds, ça serait cool de l'avoir, uniquement pour le style. Non, pas ce Goku là. Le Gohan Ultime, pourquoi pas. Et le Color, voilà. Le Color SSR. C'est Color SSR. Mais il a trop le style comme ça, j'adore. J'adore la pose. Je sais pas si le personnage est bien, mais j'adore la pose. Et après, bon, le reste. Peut-être le Buu End, mais le reste, moi. Hein. Le reste, j'ai déjà. Donc, ça m'intéresse pas trop. Hein. Et d'avoir des doublons non plus, parce que c'est pas le genre de personnage que je vais monter les sphères. Oh, un dragon! Ah, c'est normal, c'est SSR garanti. Alors, ah, il y a Snow. Salut Snow. Alors. Ah, yes! Yes! Pile celui que je voulais. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ça, on va pouvoir voir. Alors. Ah bah, attaque def plus 30. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est super cool. Allez, deuxième SSR, ça va être quoi? Ah, je suis content là. Je suis très content. Et un petit Goku qui fait le Kamehameha avec les pieds. Attention. Et... Ah non, ah c'est le vieux Goku. Remarque, vieux Goku, il sert pas mal à monter l'aspect des autres Goku. Voilà. Mais non, bof. Hein. Bref. Pébelle, il va à la pébelle. Allez. Moi, je vais continuer le Tenkaichi Budokai en compagnie de mes spectateurs. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine !